Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24h sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Visitez-nous à Delma 51 numéro 6. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24h sur 24 sur www.alterpress.org. GAF, groupe d'action francophone pour l'environnement, nan tèt koulé ak patnè liyo, lanse yon projè pou renforsman kapasite jen peyi d'Haïti pou yo eksprime yo epi jouè rol sitwayen yo. Projè sa ap realize pendan 36 mwa nan 6 komine nan peyi a ki se Kafou, Cité Soleil, Kinskof, Verret, Mibale ak Belade. 84 jen ki gen laj 18 rive 25 an ki soti nan 6 komine sa yo ap jwen bonjan akompanyman pou defann pak pou transisyon ekolojik ak sosyal la devan moun ki vle vin dirijan yo. 8 organizasyon pou pipiti ap jwen finansman ak akompanyman pou mene yon seri proje inovan pou proteje environman. Anji environmental yo mande pou gen bonjan engajman politik solide ak politik piblik pou nrive jwen solisyon yo. Nan san sa, jen yo gen pou misyon pou enfliyanse politik piblik yo. Men pou sa, yo dwe rempli de vwa sitwayen yo. Proje sa vle pousse jen yo pren responsabilite sivik yo genyen yo. Mesaj sa, pa angaje Union Européenne. Tous les jours, toutes nouvelles, sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'écouter Alter Radio 106.1 et alterradio.org depuis Port-au-Prince, Haïti. Dans mes sportifs tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Alter Sport, c'est Journal Sport, non? Vous passez à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre nan kvalite sportif la supranasyonal, futsal, tournoi opération 2026, ki se yon inisiativ Ligue Port-au-Prince-Lan, termine la poumyè faj, Chelsea FC et Alibi FC kalifiye direktman pou demi-final. Tenis de tab, J.O. Tokyo, aventure termine pou ponjou sa Haïtien yo, paske delegasyon Haïtien nan patre pon prezant nan eliminatoire Rosario yo, nan peyi Argentine, semen ki se pase ya. Basketball, Fédération Internationale l'a approuvé, demande licence ak affiliation, 8 entraîneurs nationaux. Entre temps, journée de compétition, ce dimanche 25 avril, souterrain CFCA, Nambabiol, invité nous aujourd'hui justement, c'est Josnel Joseph, conseiller technique national. A l'étranger tennis, tournoi de Barcelone, Richard Gasquet, éliminé dans le premier tour, David Goffin, qualifié pour le deuxième tour. Basketball NBA et Chris Paul, Phoenix Suns, 5e meilleur passeur de ligue là, après John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash et Mark Jackson.
Football championnat d'Allemagne 30e journée, Bayern Munich tout près 9e titre d'affilée li après que li batte Leverkusen 2-0. Championnat d'Italie 32e journée, Milan AC Sassuolo ce mercredi à midi et demi, Spezia Inter Milan et Juventus Parme à 2h45. Championnat d'Espagne 31e journée, Cadiz Real Madrid ce mercredi à 4h. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswe, li pase tou a 10h30 aswe, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel sou tout sport sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bien avant nou demare ak aktualite sportif la sou plan nasyonal, salutasyon spesyal pou auditeur nan departement du studio, patikulyèman auditeur seyen du studio, ki ap koute nou, il est vrai, sou alterradio.org, men tou, sou Chéri FM 105.9, dirije par notre ami Oservio. Salutasyon egalman a nou ami de Mirambalek, ki ap koute nou sou radio Ambiance FM 96.3. Aktualite sportif la souple nasyonal, futsal, tournoi, opération 2026, ki se ou initiative Ligue Port-au-Prince-Lan, rezultat 14e mounia ki dispite, samedi ki se passe ya nan gymnasium Vincent, Union Hope, bat Santos FC 6-2, victoire de Majesté FC 5-1 au dépens de Legend FC, Chelsea FC bat Flambeau Academy 7-3, victoire de Alibi FC au dépens de ADJ FC 5-4, classement dominé par Chelsea 26 points, deuxième Alibi FC 25 points, deux équipes s'arrivent qualifiées pour les demi-finales, troisième Santos FC 22 points, quatrième ADJ FC 19 points, cinquième Majesté FC 19 points, 6e Flambeau Academy 18 points, 4 équipes s'arrivent à disputer les quarts de finale, éliminé Union Hope 17 points, 8e Legend FC avec 14 points, tableau quart de finale yo, samedi 1er mai, la gymnasium Vincent 4h30 l'après-midi, Santos FC contre Flambeau Academy, à 5h30 ADJ FC contre Majesté FC, demi-finale aller et retour, balle fête samedi 8 avec 15 mai, Capé Vinila. Alter Sport, aktualite sport nasyonal ak internasyonal sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Soti lan futsal, nap traverse lan futbol, championnat nasyonal premier division, se retou, ti rappel de rezultat deuxième journée qui était disputée week-end qui s'est passé là. Voilà maintenant après appeler débat de Racing Club Haïtien en statistique 14, 2 goals à 0. Même score entre AKR et Racing Dagonaï. Victoire de l'équipe Cité de Apoa, bien sûr. 0-0 entre AS Mibalet et Violette Athletic Club. Cavalli bat Real Hope Academy 2 goals à 1. Un goal partout entre Union Sportive Riva Thibonicienne et Triomphe de Liancourt. Même score entre América de Cali et Don Bosco. Belle victoire de FICA 3-0 aux dépens de Cosmopolite de Delma. AS Capoise te bat Baltimore 1 goal à 0 et puis 0-0 entre le Tempête de Saint-Marc et la Juventus de Cali. Classement après deux journées, même si nous connaissons que première journée a été perturbée, seulement trois rencontres dérivées jouées. FICA premier 4 points, Wanamet 4 points, Cavalli 4 points avec 3 points, AKR AS Capoise avec 2 points, Triomphe Tempête de Saint-Marc avec 1 point, Don Bosco de Pétionville, América de Cali USR, Violette Athletic Club, AS Mibalet, Juventus de Cali, Racing Gonaïve, Real Hope Academy du Cap-Haïtien gagne 0 points, de même que Baltimore, Racing Club Haïtien avec Cosmopolite. Classement général là, après deuxième journée, c'est retour là, puisque c'est important. Même si nous connaissons jusqu'à présent deuxième division, l'incertitude pour les reprendre, ça veut dire que ça, c'est commission normalisation qui bral connaît ça. La classement général là, Akaye 33 points, Triomphe 32 points, Baltimore 30 points, de même que AS Capoise avec 29 points, Cavalli, Racine 27 points, Violette America 26 points, là que classement, c'est Gendeson, et Cosmopolite 16e 18 points, 17e Racine Gonaïve 16 points, 18e AS Mibalet avec 15 points. Calendrier 3e journée, samedi 24 avril, Real va recevoir Cosmopolite, à l'aller c'était 2-0 Real. L'autre match a fait dimanche 25 avril. Gen Fika qui a fait un long déplacement pour Alokai pour rencontrer la Juventus dans l'Anne de Gabion. A la laisse c'était 0-0. Triomphe a recevoir Racing Club Haïtien. A la laisse c'était 1-0 pour Vieux Lyon. Hein? Don Bosco a accueilli Cavalli Léogane. A la laisse c'était un goal partout pour Cavalli. Gen USR a déplacé pour venir avec Violette dans le stade Tivocator. A la laisse c'était 1-0 pour Violette.
AS Kapwa la presevoa Amerika de Kaye a la lesite 1-0 pou Kapwa yo. Yon wana met Kapakeyi Resinda Gonaiv a la lesite 1-0 pou Gonaiv yo. Tempete ap deplase pou renkontre AKE a la lesite 1-0 pou Archeloa yo. E pi AS Mibale a Pakeyi Baltimore de Saint-Marc a la lesite 0-0. Lot bon l'aktualite sportif la sou plan nasyonal nan korespondans an dat du 19 avril gen direksyon teknik Fédération Haïtienne Basketball la ki informe nou ki Fédération Internationale lan li aprouve deman lisans internasyonal avek afiliasyon 8 entreneur nasyonal. Il s'agit de Gary Danastor, Sébastien Pétion, Maurice Romelus, Joseph Bernard, Joinville Jean-Alex, Ashley Salomon, Pierre-Michel Camo et puis Joseph Josnel. Toujours en basketball, l'invité de nos jeudi, c'est justement Josnel Joseph, conseiller technique au niveau de la fédération, qui va parler nous de l'activité de direction technique nationale là, clinique qui était faite pour jeunes U17, préparation sélection nationale U17 là, et surtout de journée basketball ça, qui va dérouler dimanche 25 avril là, souterrain CFCA Nababiol. C'est une journée de basketball, il est vrai que même là, nous disons une journée de basketball là, qui va commencer dans la matinée, qui va commencer vers 3 heures, peut-être que là, dans l'IAP gagne au tournoi U17 avant toi, au petit monsieur, parce que nous avons un grand ensemble de joueurs qui ont été présélectionnés pour que nous ayons monté sélection pour nous jouer dans le pays Nicaragua et Centro Basket. Et avec M. Sayo, nous formons plusieurs équipes et avec eux, nous avons fait un tournoi U17 et 3 avant 3. Et puis, gagner tout pour mesdames, dans la catégorie senior, qu'on a fait un tournoi en 3 avant 3 avec mesdames. Et puis, il y a un match et deux galas entre deux équipes qui, justement, vont participer à la compétition à Zubac, qu'on a fait Sojé Basket. Pas jouer ensemble avec Fondation. Donc, en gros, c'est qu'on fait la journée à pied pour dimanche 25 avril, là, quand venir là dans le CFC. Et si nous avons fixé l'objectif en telle journée? Oui, objectif là, pas oublier que nous gagnons pour que nous allons participer dans l'éliminatoire du COP ensemble avec l'équipe senior là, et mesdames, et puis 17 à tout. Donc, il faut me dire que bien avant, nous avons commencé ensemble deux tournois chaque samedi, qu'on est de commencer à partir le 3 avril là. Donc, chaque samedi, nous avons fait un ensemble de tournois. Et puis, dimanche, tu as fait grande finale là avec Tibu Cheyo. Objectif, comme j'aime ça dire tout à l'heure, c'est monter une équipe pour que nous puissions participer dans l'éliminatoire Américop. Et comme ça, ça permet à ce que ni monsieur, ni mesdames, ni en jambes, puis représenter le pays comme ça doit. En parlant de 17, yo, qui genre préparation yo yé, et pour tournoi centre basket là, pour dire qu'il va le dérouler Nicaragua? Et oui, normalement, j'en dis là, et tournoi centre basket ça, ça se pose fait du 28 avril au 2 mai. Et par rapport à montée COVID-19 dans le pays Nicaragua, donc, yo reporté lui, donc, nous gagnons jusqu'au 15 mai pour une confirmation à travers FIBA. Pour nous connaître et qui l'a exactement que le tournoi, ça lui-même l'a fait. Préparation, j'ai commencé, j'ai envie de donner la vie de toi. Et dans la cour Saint-Louis Gonzague, je connais que j'ai un coach Pétion qui travaille ensemble avec les jeunes Silario. Et j'en dis l'un de tes coupés à travers et tout le pays. Donc, il y a là, il y a travaillé, il a préparé, il y a plusieurs semaines déjà depuis nous en préparation pour que nous allions représenter le pays normalement. Pour nous retourner à formation sélection, hein, processus pour nous arriver à composition. Et sélection ça, ce qu'il paraît qu'il y a des joueurs dans tout le pays, notamment au Cap Saint-Max. Oui, exactement. Parce que nous avons lancé 3 août, nous avons lancé l'invitation à travers Ligue régionale. Et puis, l'association sportive qui est affiliée à la fédération, que ce soit le SAC de la capitale et puis dans la zone de province. Donc, comme ça, nous avons fait 3 août dans la zone de Vincent. Et puis, nous avons trié chaque pays bon pour que nous montions sélection. Peut-être que nous avons 20 parmi eux là, que nous avons Cap qui en préparation parce que nous avons pour nous voyager avec 12 radars. Et par rapport à niveau que nous connaissons et l'autre pays, comment nous-mêmes nous, équipe, nous avons besoin de son retour sur la scène internationale? Effectivement, son retour sur la scène internationale, question de niveau, et penser qu'il y a une pile possibilité pour que nous puissions faire belle figure. D'ailleurs, nous avons un jeune là que nous estimons qui a un niveau qui est adéquat, et même si il y a un manque de compétition par rapport à l'autre pays, mais c'est sûr que nous allons faire le meilleur, nous allons bailler le meilleur de nous-mêmes. Pour qu'au moins nous montions une très belle équipe avec staff coaching, nous-mêmes au niveau de la direction technique, ensemble avec staff coaching, pour que nous montions une très belle équipe pour aller représenter le PIA. Parce que nous avons toujours dit, et depuis le moment de la direction technique, donc moi, clair sous ça, que jeune, c'est là, c'est même qui base basketball là. Donc, il faut nous faire le nécessaire, comme même pour que nous allons représenter le PIA, Jean, il est supposé vous être là. Yosnel Joseph, on a parlé que c'est conseiller technique au sein de la Fédération Haïtienne de Basketball. Nous avons eu un programme récemment avec une association sportive, la Suisse.
Et oui, effectivement. Alors, c'est blessé sur l'association sportive qui est basée en Suisse. Monsieur Sao, alors, son association a but non lucratif. Connaît qu'il était entré à Haïti, il veut nous aider dans la mesure du possible, qui j'ai acheté, on va faire un partenariat avec Fédération Haïtienne de Basketball. Et comme ça, nous t'es gardé ensemble avec eux. Nous t'es organisé vendredi qui s'est passé là, une clinique dans le CFC avec Coach. Là, on parlait de clinique, c'est pas formation, mais son clinique, on est que d'échanger idées, pour nous garder le niveau et de se blesser Dieu par rapport à l'entraîneur nous. Et puis, dans samedi, nous avons organisé un camp de basketball pour les jeunes U17, dans le gymnasium Vincent. Et puis, un dimanche, nous avons gagné un mini-tournoi parce que nous avons recruté 40 jeunes, nous avons formé 4 équipes avec 4 équipes de 10. Nous avons fait un mini-tournoi pour eux. Et puis, nous avons gagné un match d'exhibition senior et nous avons gagné un match All-Stars. Donc, ces joueurs, ça y est. On connaît plus beau ligue majeure pour le moment que nous avons payé à ces HBAC. C'est à partir de compétition HBAC que nous avons prié, jouant Seigneur Silla, pour faire mal d'exhibition Seigneur là. Au fini, Josna Joseph, ce rendez-vous à, c'est pour dimanche 25 avril là, dans le CFC. Exactement. Dimanche 25 avril, nous avons tout le monde pour que vous venez encourager le basketball jeune, encourager le basketball féminin, et puis pour que vous regardez match Seigneur ça. Je dis là qu'il a annoncé déjà la couleur parce que deux équipes s'il a eu, ils vont participer à la compétition HBAC là. Il y a Fondation qui sont une nouvelle équipe qui est formée par le député Gary Bodo. Et puis, son G et Basket qui justement c'est une équipe qui chante déjà à HBAC. Donc, moi, c'est que c'est une très belle journée et nous disons tout le monde déjà pour faire le déplacement puis on vient encourager le basketball haïtien. C'était précision Josnel Joseph, conseiller technique au niveau de Fédération Haïtienne Basketball. Pour nous clôturer l'actualité sportive là sur le plan national à travers une note de presse qui rend public du mardi 20 avril là, une fédération haïtienne tenue de table qui informe nous que délégation haïtienne n'a pas de fait déplacement à Rosario en Argentine pour l'été à participer à l'éliminatoire Jeux Olympiques à Tokyo qui était fait sur 13 privé 17 avril qui se passe en raison de problèmes administratifs dus à COVID-19 là. Cette non-participation, l'éliminatoire Sao, li une mauvaise expérience, non seulement pour fédération, mais tout, une déception pour différents membres de délégation qui étaient consentis de lourds sacrifices selon note de presse de fédération haïtienne de tennis de table. Une petite pause, là nous retournons, nous allons à l'étranger. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère Santé publique mande tout le monde rete veatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, ak zanmi nous. Évitez main bouche nous, jen ou soigne nous sans main nous pour ko laver. Nous devons toujours laver main nous ak l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver main nous? Laver main nous ak l'eau propre ak savon en bas. Tio, ou soit mande moun vide de l'eau sous main, mande moun vide de l'eau sous main. Bien mouye main nous en fond nous savonne. Frottez-on pour main. Bien rese main yo et puis souke main yo pour yo sécher. On nous youn veye sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, rele nan 43 43 33 33 ou 76. C'était un message Ministère Santé publique ak population. Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi qui je nous cap aider ou. Moi c'est propriétaire en Dry. M'ta aimé plus moun kon businessman. M'ta aimé joindre plus clients et puis river faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé, service marketing Alter Radio gagne un plan spécial publicité pour toute qualité de business. Tant kou quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant kou pa ou la, boutique, pharmacie, autoparts, restaurant ou mini market, dépôt, ti hôtel, studio de beauté et latrier. Ah, et bien m'a privé sous nous tout de suite. Mais excusez-moi, mon ami qui gon kawash, est-ce que n'a joine un petit bagage tout? Service marketing Alter Radio gen formule pour tout business. Pa perd du temps, n'a tan nou. Service marketing Alter Radio ap tande ou, n'a pas tan nou, n'a ba ou conseil et puis publicité ou garanti. An di plis, n'a tout géré bel ou sur réseau social nou yo. Parlez-moi de ça Alter Radio. C'est ça m'dé besoin. Profitez plan spécial publicité pour toute qualité de business dans Alter Radio sorti février pour bout avril 2021. Pape dit temps, relais service marketing Alter Radio dans 2816 0101 ou bien passez dans Delma 51 numéro 6. Ak Alter Radio, publicité au garantie. Oh.
En parcourant votre fil d'actualité, vous lisez un message ou un commentaire sur le coronavirus. Pensez à ce que cela vous fait ressentir. Cela vous met-il en colère? Êtes-vous triste ou choqué? La désinformation peut se propager par l'utilisation de contenus axés sur les émotions. Avant de partager ou de réagir à un contenu, pensez à sa provenance. Qui pourrait en bénéficier et qui pourrait en souffrir? Réfléchissez avant de cliquer, réfléchissez avant de partager. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. Nan denye jou sa yo, profesyonel sante yo enregistre nan peyi d'Haïti an pil ka gratel oswa gal la. Gal se yon maladi moun gen sou po. Ou ka trapel, fasil fasil. Ou ka pren nan kontak ak yon lot moun ki genyel, oswa nan tout sa wap itilize ki kontamine. Rad, dra, zorye, serviet, mouchwa, elatriye. Depi ou gen gal, wap santi kou ap grate yo. Li ka ba ou yon ban ti bouton ak gro plak sou po. Depi ou remake ou konsa, se kouri prese prese ale nan sot sante ki pi pre ou la. Dokte ou swa infimye ap pran swen ou. Sonje pou evite gal, pa kole ak moun kap grate san rete. Toujou beyin ak savon ak dlo prop. Bouye ou bien desinfekte tout bagay wap servi. Rad, dra, zorye, serviette, mouchwa, elatriye. Louvri fenet ak pot kayou pou sole rentre. Se yon mesaj, Institut Panos. Alter Sport. Aktualite sport nasyonal ak internasyonal sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Aktualite sportif la pou gounia sou plan internasyonal gen prezident FIFA Gianni Infantino ki pote soutyen li al UEFA an gèr depi dimanche e anons 12 klub fondateur kreasyon Super League lan. An tanke FIFA, nou pa kapab ankouraje an kreasyon Super League ki an ruptu avèk institisyon aktuel yo. Li vi pale de Ligue avèk asosyasyon UEFA yo e de la FIFA, se sa ke Gianni Infantino fè konen, pi an Angleterre te genyen la 432e jounen ya, ou denye match jounen mardi ya, gen Chelsea ki fè 0-0 avèk Brighton, klasman toujou domine pa Manchester City, 74 point, deuxième Manchester United, 66 point, Leicester City, 56 point, West Ham, 51 point, Chelsea, 55 point, avec 53 point, Liverpool. Et puis en Allemagne, 30e journée a été démarré, journée mardi, 20 avril là, gagne un Cologne qui bat RB Leipzig 2-1, victoire de Bayern Munich 2-0, dépend de Leverkusen, Eintracht Frankfurt qui bat Augsburg 2-0, Arminia Bielefeld bat Schalke 04 1-0 apre 30 ans. Schalke 04 descend nan 2e division jeudi mercredi 21 avril la a 2h30 genyen Dortmund face à Union Berlin. Bayern Munich Pukunia genyen 71 points. RB Leipzig rete avec 61 points lan. En Italie, Sebral donc 32e journée. Alors c'est donc 32e journée qui démarre jeudi mardi ya. Avec une victoire de la Fiorentina en déplacement 2-1 au départ de Hellas Vérone. Ce mercredi 21 avril à midi et demi, Milan c'est face à Sassuolo. Un spécial contre Inter Milan à 2h45. L'autre match est joué tous après se voir Parme. Udinese a joué avec Cagliari jeudi 22 avril à midi et demi. Roma a recevoir Atalanta et à 2h45. Naples a recevoir équipe Lazio. Inter Milan en tête avec 75 points. Deuxième Milan c'est 66 points. Troisième Atalanta 64 points. Quatrième Juventus 62 points. Cinquième Naples avec 60 points. Et puis en Espagne, 31e journée, c'est pour journée mercredi 21 avril là. A 1h l'après-midi, Osasuna, Valence, Levante contre Séville. A 2h, Betis a recevoir Atlético Bilbao. A 3h, Villarreal a déplacé pour rencontrer Alaves. Elche a recevoir équipe Valladolid. A 4h, Cadiz a joué avec Real Madrid. L'autre match a fait jeudi 22 avril à 1h. Ate Madrid a joué avec Huesca. 3h, Granada contre Eibar. Real Sociedad a joué avec Celta Vigo. Et à 4h, jeudi, FC Barcelone a joué avec Getafe. Klasman dominé par Ate Madrid de 70 points, 2e Real Madrid 67 points, 3e FC Barcelone 65 points, 4e FC Séville 64 points, 5e Villarreal avec 49 points. Alter Sport, toute nouvelle sous toute sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org.
Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs de tennis, pour retourner à la compétition après que le Tegain a COVID-19, Richard Gasquet, il a délivré un gros combat, mais il est tombé en 3-7, 7-6, 5-4-6, 7-6 contre l'Australien Jordan Thompson, le premier tour, tournoi Barcelone. Là. Puis, basketball NBA pour nous finir, Lali marqué 22.7 rebonds et surtout Lali bat 13 passes décisives lors de victoire Phoenix Suns 128-127 au départ des Bucks de Milwaukee. Lundi soir, il y a un meneur Chris Paul qui fait entrer l'île dans le top 5 meilleurs passeurs de l'histoire NBA avec 10.142 passes décisives. Il devance désormais dans unité Magic Johnson, classement qui est dominé par John Stockton, 15.806 passes. Deuxième Jason Kidd, 12.091. Troisième Steve Nash, 10.335. Quatrième Mark Jackson, 10.334 passes décisives. Match qui a l'affiche ce mercredi 21 avril à NBA. 7h du soir, Chicago-Cleveland, Oklahoma. Et face à Indiana, Phoenix contre Philadelphie, match choc, Golden State face à Washington, Brooklyn a joué avec Toronto, à 8h du soir, Atlanta contre New York, Utah a joué avec Houston, 8h30, Detroit, Dallas, Miami, San Antonio, à 10h du soir, Memphis, Los Angeles, Clippers, Denver face à Portland, et puis Minnesota, Sacramento. Classement jusqu'à lundi soir, conférence S, Philadelphie, 39 victoires, 18 défaites, deuxième Brooklyn, 38 victoires, 19 défaites, troisième Milwaukee, 35 victoires, 22 défaites, quatrième Atlanta, 31 victoires, 26 défaites, cinquième Boston, 31 victoires, 27 défaites, sixième New York, 31 victoires, 27 défaites, septième Miami, 30 victoires, 28 défaites, huitième Charlotte, 28 victoires pour autant de défaites, conférence ouest dominée par les Jazz de Utah, 43 victoires, 15 défaites, deuxième Phoenix, 41 victoires, 16 défaites, troisième LA Clippers, 40 victoires, 19 défaites, quatrième Denver, 37 victoires, 20 défaites, cinquième LA Lakers, 35 victoires, 23 défaites, sixième Portland, 32 victoires, 24 défaites, septième Dallas, 30 victoires, 26 défaites, Memphis, 108e, 29 victoires, 27 défaites, et puis en 9e position, Golden State Warriors, 29 victoires pour 29 défaites. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswen, li pase tou a 10h30 aswen, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller, grand titre qui a dominé l'actualité sportive la Super National Futsal Tournoi Opération 2026 qui s'est une initiative Ligue Port-au-Prince. Terminé la première phase, Chelsea FC et Alibi-SC qualifiés directement pour la demi-finale. Tennis de table JO Tokyo. Aventure terminée pour Pongis Haïtien yo parce que délégation haïtienne nan pas très bonne présent nan éliminatoire Rosario yo nan pays Argentine semaine qui se passe ya. Basketball, la Fédération Internationale a approuvé deux mandes licence à affiliation, 8 entraîneurs national. Entre temps, journée de compétition ce dimanche 25 avril sous terrain CAC à Nambabiol. Invité nous aujourd'hui à citer justement Jostel Joseph, conseiller technique national. A l'étranger tennis, sans tournoi de Barcelone, Richard Gasquet éliminé dans le premier tour, David Goffin qualifié pour deuxième tour. Basketball NBA et Chris Paul, Phoenix Suns, cinquième meilleur passeur Liga, après John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash et Mark Jackson. Football championnat d'Allemagne, 30e journée, Bayern Munich, tout près 9e titre affilé Liga, après que l'y batte Leverkusen, 2-0. Championnat d'Italie, 32e journée, Milan, AC, Sassuolo, ce mercredi à midi et demi. Spécial Inter Milan et Juventus se parlent à 2h45. Championnat d'Espagne, 31e journée, Cadiz, Real Madrid, ce mercredi à 4h. Altes pour arriver dans votre lise, amis auditeurs. Merci en pile pour attention. Merci à collaborateur non James Soussin qui était dans la réalisation. Dans mes croix, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sous Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Edisyon jounal sa nan jwen ni an podcast Alter Radio sou Mixcloud ak sou Zeno Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sou toutes sports. Alter Sport, jounal sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Radio, une autre idée de la radio.
Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio. Au téléphone. Aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe. 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine. 55-14-30-42-18. 8-0-3. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information nan tout fom. Information lan nwi pou la jounen sou Alter Radio 106.1. Information ou nan pi lwen. Mes ami rele, mes ami pale nan, Chita tande, san rete, toutan, ant organizasyon sosyete sivil ak otorite lokal yo, important an pil. Se yon nan pi bon fason pou bay demokrasi jaret, epi mete kampe yon sosyete egal ego kote tout moun ap viv pi bien. Sete yon mesaj, otorite lokal ak organizasyon sosyete sivil nan depatman Latibonit ak support proje toujou pi fo ansam, yon proje ki jwen bourad l'ajan Union Européenne. Mesaj sa, pa angaje Union Européenne. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue à ce bulletin d'actualité internationale. Minneapolis, le policier blanc Derek Chauvin a été déclaré coupable mardi du meurtre de George Floyd. Une victoire pour la justice selon la famille du quadragénaire noir dont l'homicide l'an dernier à Minneapolis est devenu le symbole des brutalités policières contre les minorités aux États-Unis. À l'issue de 3 semaines d'un procès sous haute tension dans cette ville du nord des États-Unis, les jurés d'origine ethnique diverse qui délibéraient depuis lundi ont conclu à la culpabilité de l'accusé sur les 3 chefs d'accusation qui le visaient. Le juge Peter Cahill prononcera sa sentence dans 8 semaines. Derek Chauvin encourt 12 ans et demi de prison, mais sa peine pourrait être rallongée si le magistrat conclut à l'existence de circonstances aggravantes. Réaction. Dans un discours solennel, Joe Biden a appelé l'Amérique à lutter contre le racisme qui entache son âme. À ses côtés, Kamala Harris a déclaré son soulagement. Cela n'enlève toutefois pas la douleur, a poursuivi la première vice-présidente noire de l'histoire des États-Unis. Peu après le verdict, tous deux avaient appelé par téléphone la famille Floyd. Coupable, une justice obtenue dans la douleur a finalement été accordée à la famille de George Floyd, a réagi l'avocat de ces derniers, Ben Crump. Ce verdict est un tournant dans l'histoire, a-t-il dit. Aujourd'hui, un jury à Minneapolis a fait ce qu'il fallait faire, a écrit Barack Obama. Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu'un seul verdict dans un seul procès.